Bonjour à tous, c'est Nico Gage 13 et aujourd'hui je suis sur FIFA 18 pour continuer le mois d'aventure d'Alex Hunter avec vous et on commence cette vidéo face à l'équipe de Vancouver, les Whitecaps à l'extérieur. Donc on est dans ce magnifique stade de Vancouver, il est exceptionnel. Mais on n'est pas là pour admirer le stade, mais on est là pour venir prendre les 3 points. Donc là, les 3 points sont impératifs parce que l'objectif du club et de Alex Hunter, c'est bien sûr d'aller au playoff. Et là, aujourd'hui, on n'a pas le droit à l'erreur, les amis. Donc on va commencer tout de suite ce match. Les joueurs de Vancouver qui engagent, c'est parti. Alex Hunter qui va directement mettre la pression sur le défenseur, récupère le ballon. Le petit râteau pour effacer le défenseur, que va-t-il faire maintenant? Il est seul face au but, la frappe croisée ras du sol et c'est l'ouverture du score pour les Los Angeles Galaxy grâce à un but magnifique, exceptionnel et solitaire d'Alex Hunter. Oh là là, c'est allé très très bien ce match. Fallait pas arriver en retard, sinon vous aurez déjà raté le premier but. Ah, c'était exceptionnel. Ça fait déjà 1-0 pour les Los Angeles Galaxy grâce à Alex Hunter. Donc pour ceux qui se demanderaient, je suis ni en amateur ni en débutant, mais je suis bien en difficulté pro. C'est juste l'IA qui est un peu nul, tout simplement. Alex Hunter qui va perdre le ballon aux abords de la surface de Vancouver. Vancouver qui repart très vite en contre-attaque. Faire attention à cette action juste avant la mi-temps. Ah, malheureusement, ils n'ont pas de solution. Ils reviennent en arrière. Et l'arbitre qui siffle la mi-temps sur ce score de 1-0 pour les Los Angeles Galaxy grâce à un but de Alex Hunter. Il reste encore quelques matchs pour remplir le contrat. Début de la deuxième mi-temps. Et c'est les Galaxy qui engagent avec Alex Hunter. C'est reparti. Nous, on va voir le début de l'action. Et j'espère que cette deuxième mi-temps en sera remplie. Dégagement au pied du gardien des Galaxies. Lazardes qui perd le ballon sur une mauvaise passe. Ça part couloir gauche pour les joueurs des Whitecaps de Vancouver. Ça va très très vite. Ça va chercher quelqu'un au centre. Ça trouve un coéquipier au point de penalty. Et c'est l'égalisation au score des joueurs de Vancouver. Ah, quelle tristesse. Quelle tristesse. Nous, on veut les 3 points absolument pour jouer les playoffs. Et là, les joueurs de Vancouver qui égalisent. Ah, ça va être compliqué, ça va être très très compliqué cette fin de match. On va tout donner, en tout cas, faut tout donner si on va aller au playoff et surtout ramener les 3 points aujourd'hui. Allez, Hunter qui joue sur Giovanni Dos Santos. Hunter qui fait l'appel dans le dos du défenseur, contrôle orienté, enroulé pied gauche et Hunter qui permet aux Galaxy de repasser en tête dans ce match grâce à encore un but magnifique d'Alex Hunter. Franchement, ce mec, il est plein de talent. Il gère déjà l'appel dans le dos des deux défenseurs. C'était magnifique. Le contrôle orienté pour feinter le défenseur est encore plus magnifique. Et la finition enroulée, pied gauche qui vient tromper le gardien. Eh ben, but parfait d'Alex Hunter. Voilà, tout était là. Et ça fait 2-1 pour les Los Angeles Galaxy. Allez, balle au centre. Alex Hunter qui est toujours à l'affût pour mettre la pression sur les défenseurs. Et encore une fois, il réussit à récupérer ce ballon. Allez, le même râteau, la même technique que sur le premier but. C'est efficace. Et encore une fois, Alex Hunter qui vient tromper le gardien sur une très grosse frappe lourde. Croisée, petit filet opposé. Et ça fait 3-1 pour les Galaxy grâce à un magnifique triplé d'Alex Hunter. Et Hunter qui est vraiment un joueur très technique et qui est un énorme finisseur, il rate pas une occasion de marquer et le prouve encore sur ce match, sur cette action, et ça fait 3-1 pour les Los Angeles Galaxy. L'arbitre qui s'apprête à siffler la fin de ce match, c'était un 6 mètres pour les Galaxy, c'est joué court et voilà l'arbitre qui siffle la fin de ce match sur ce score de 3-1 pour les Los Angeles Galaxy grâce à un triplé de Alex Hunter. Voilà, voilà le joueur du match, il est là, il vient récupérer son ballon suite à ces 3 buts et passons de suite au prochain match ou à la prochaine cinématique s'il y en a une. Et votre performance était tout simplement incroyable. Vous avez su montrer l'exemple pendant ce match. Alors, c'est inutile de prétendre qu'on est le meilleur, il faut le prouver. Pour rien au monde, je n'aurais voulu rater les playoffs. La tactique de l'entraîneur a payé. Ah, j'hésite entre... Ouais, bon, on va dire la technique de l'entraîneur a payé. L'entraîneur, en fait. Sa tactique était parfaite. J'ai juste fait ce qu'il nous demandait de faire. Tout de même, vous avez été impressionnant dans le jeu. Et vous méritez cette qualification en play-off.
Maintenant, on va prendre les matchs un par un, mais on est prêt. Encore bravo, et bonne chance pour les playoffs. Je vous remercie. La limousine, c'était sympa. Mais j'aurais préféré que tu viennes me chercher. Tu n'embrasses pas ta mère? Allez. Ouh, il a l'air tendu, Hunter. Ça a été ton vol? Oh, c'était trop long. Regardez-moi cet endroit. Oh. Très joli. On s'en fait pas à Los Angeles. C'est dommage que papy n'ait pas pu venir avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que j'estime que t'aurais dû me parler de Kim. Quoi, t'as fait sa rencontre? Eh ben ouais. Il faut que tu saches que ça a été très difficile pour moi quand ton père est parti. Il nous a quittés pour elle, après tout. Qu'est-ce que j'étais censée faire? C'est ma sœur. Ta demi-sœur. Je voulais te protéger. Oh. Merci. Ouais, ça chante sur sa mère alors que la pauvre, elle a rien fait, quoi. Puis elle était limite pas au courant et son père qui a fouetté, quoi. Je n'avais plus que toi. Tu veux qu'on sorte? On pourrait aller au restaurant. Dans un endroit sympa. Volontiers. Alors pour ce deuxième match, les amis, comment dire? Ouais, j'ai eu un problème. Ma play n'a pas voulu enregistrer ni l'entrée des joueurs, ni le premier but du match. Donc clairement, elle veut niquer ma vidéo, quoi, tout simplement. Donc je vais vous expliquer, là on affronte l'équipe des Chicago. Donc on est à domicile, on est à Los Angeles. Après le premier but, bah, tout simplement, vous avez vu le premier match. Le premier but que j'ai mis sur l'engagement, ben voilà, Chicago est l'engagement. J'ai mis la pression, j'ai récupéré le ballon, je suis parti tout droit, j'ai frappé. Et j'ai marqué le premier but. Maintenant, passons à cette nouvelle action. C'est reparti. Los Santos. Allez, Alexandrini sur le couloir qui joue sur Hunter. Hunter qui part sur le couloir. Il va faire geste technique pour revenir dans l'axe. Il va perdre ce ballon. Il le récupère. Il talonne pour Zardes. C'est Zardes qui marque le deuxième but pour les Los Angeles Galaxy. Et encore une fois, Hunter fait partie de l'action. C'est lui qui a la passe décisive. C'est lui qui est de partout, tout simplement. Voilà. Hunter qui marque le premier but. Hunter passeur décisif sur le deuxième pour Zardes. Ouais, Hunter qui s'est battu, qui perd le ballon, qui s'est battu pour le récupérer, qui talonne et magnifique talonnade. Et Zardes qui pousse ce ballon au fond des filets. Ça fait 2-0 pour les Los Angeles Galaxy. 6 mètres pour les joueurs de Chicago. C'est joué court. Ça progresse couloir droit. Ça cherche des solutions. Ça se trouve bien, et l'arbitre qui siffle la mi-temps sur ce score de 2-0 pour les Los Angeles Galaxy grâce à un but d'Alex Hunter, une passe décisive d'Hunter pour Zardes. Début de la deuxième mi-temps, et c'est les Galaxy qui engagent avec Alex Hunter, et c'est reparti. Touche pour les joueurs de Chicago, c'est joué en retrait, ça trouve l'attaquant dans la surface. Et l'arbitre qui siffle un penalty pour les joueurs de Chicago suite à une faute de Van Damme.
Alors là, je veux vraiment voir ça au ralenti parce que c'est allé très très vite et avec la vue qu'on a, c'est très très compliqué de voir. D'accord. Clairement, il n'y a pas faute, il n'y a pas de penalty. L'arbitre qui vient de nous voler, c'est assez réaliste, on va dire. Mais clairement, Van Damme qui ne commet pas de faute, il prend le ballon à la régulière. L'attaquant qui s'écroule tout seul et qui réussit à avoir son penalty. Attention, l'attaquant face au gardien des galaxies. Il s'élance. Oh, le gardien des galaxies qui a choisi le bon côté, mais malheureusement, il était un peu court. Et Chicago qui réduit le score, ça fait maintenant 2-1 dans ce match. Ah, c'est dommage. Ah, là, par contre, il faut les empêcher d'égaliser. Nous, on va continuer d'attaquer pour reprendre de l'avance, mais clairement, voilà, il recolle légèrement au score. Mais comment dire, ouais, sur un penalty pas mérité, quoi. C'est n'importe quoi. Giovanni Dos Santos qui a le ballon, qui cherche des solutions, il rejoue derrière sur le chevelu qui trouve Hunter, Hunter qui voit l'appel de Giovanni Dos Santos, Giovanni Dos Santos qui tente la frappe et qui marque, les gars, il marque alors qu'il était dans une position très compliquée. Première intention, il trouve la lucarne gauche du gardien de Chicago et waouh, je suis choqué les gars, même si Giovanni Dos Santos était un grand joueur, c'était très compliqué de réaliser ce qu'il vient de faire et il le fait très bien, il montre tout son talent. Et but extraordinaire, et encore une fois, passe décisive d'Alex Hunter. Si Hunter n'est pas buteur, il est passeur, mais en tout cas, Hunter est dans toutes les actions, les amis. Il est exceptionnel, ce joueur. Le ballon dans le couloir avec Alexandrini. Alexandrini qui joue sur Hunter. Hunter qui veut mettre le ballon à la profondeur pour le chevelu. Et malheureusement, cette passe est complètement ratée. Et l'arbitre qui siffle la fin de ce match sur le score de 3-1 pour les Los Angeles Galaxy grâce à un but d'Alex Hunter, de Zardes et de Giovanni Dos Santos, bien sûr servi par Alex Hunter. Voilà, double passeur décisif plus buteur, un match parfait pour nous. Je suis avec le joueur du LA Galaxy, Alex Hunter, qui nous a offert une superbe performance aujourd'hui. Alex, on a l'impression que vous auriez pu passer le ballon les yeux fermés. Alors, je suis passé en mode passe laser. Il suffit de rester calme, de lever la tête et de donner le ballon. Vous l'avez remarqué parce que mes coéquipiers ont marqué. Non, on va dire qu'il suffit de rester calme, de lever la tête et de donner le ballon. Alors, à tous les jeunes footballeurs qui nous écoutent, il faut savoir garder son calme, lever la tête, lire le jeu et faire la passe. Vous avez donné l'impression d'avoir un temps d'avance sur la défense et vous l'avez souvent mise à mal. Eh ben, disons que ça aide que mes coéquipiers se mettent en quatre pour se démarquer. Ça me facilite les choses. Alex Hunter, merci de m'avoir répondu. I never see your party tomorrow. Same kind of thing. Should be a good time. Come by if you have any other plans. Grave, je suis carrément partant. J'ai rien de prévu en plus. Swing by after 6 tomorrow. Party should have started by then. Cheers, mate. Ok, mon pote. Salut. J'ai bien cru que je m'étais trompé d'adresse. Ta maison est géniale. Alors, je croyais avoir été clair au resto. Qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es arrivé jusqu'à là? Ouais, c'est assez pareil. Bon, on va dire qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es arrivé là? Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais ici? Je trouve que ça a assez mal démarré entre nous. Je voulais juste te donner ça. Au cas où tu sois libre demain soir. C'est pas rien de jouer en équipe nationale. C'est qu'un match amical, mais si je joue bien, je serai peut-être sélectionnée pour un vrai match. Je savais pas que tu jouais. Si, c'est de famille. Écoute, je te remercie, mais... j'ai déjà un truc. Ah. D'accord. Je pensais que ça te dirait peut-être. Tu m'aurais donné ton avis. J'aimerais tellement qu'Alex Hunter me conseille sur mon jeu. Ah, je m'excuse, j'aurais pas dû. Oh, et au fait, le Real Madrid aurait eu de la chance de t'avoir.
Alex, over here. Hey, salut. Mec, t'es doué pour organiser des fêtes. The studio is taking care of all of this. They deserve the credit. You're right. Ouais. Are you sure? C'est juste que ma famille est... bizarre. Man. Same old song. J'ai découvert que j'avais une demi-sœur. Ce qui est... crazy. Like, actually. Ouais. Elle a l'air cool. Solide, déterminée. En plus, elle joue au foot. Nice. That doesn't sound so bad. Non, c'est vrai. C'est juste que... t'as raison. D'ailleurs, elle a un match ce soir. Avec la sélection féminine américaine. États-Unis-Allemagne en amical. Elle a 16 ans. 16. On the senior team, she's the real deal. What are you doing here? Alors, on a les choix décisifs. Tu veux venir pour renforcer leur amitié, ok? J'en sais rien. Ouais, juste rester amis. Oh, on va dire tu veux venir. J'ai deux billets. Ça te dit? USA v Germany. Marozan. Pop. Press. Morgan. Enter. I'm in. Ah ouais? Yeah. Mais t'as fait alors? I put in my time. Once in a generation, you get to see a superstar break out. Allez, before she scores. Ouais, je trouve, je préfère y aller avec Thierry Henry, parce que peut-être que si on agrandit notre amitié, il pourra nous aider plus tard. Enfin, c'est ce que j'imagine. Et même, ça fera plaisir peut-être à la demi-sœur d'Hunter, que juste rester ami et on s'en bat les couilles de lui, quoi. Par contre, elle a 16 ans, j'aurais pas dit, moi. On assiste donc à un changement dans les équipes des États-Unis avec l'entrée de Kim Hunter, qui n'a plus... Ouais, les gars, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on va contrôler Kim Hunter. On va jouer, nous, avec la demi-sœur de Hunter. C'est bien, ça, parce qu'après, ils peuvent créer, on va dire, le reste de l'histoire sur FIFA 19. Et au lieu de jouer avec Hunter, on pourra jouer avec elle. Enfin, bon, vu qu'il n'y a pas de championnat féminin, c'est assez compliqué. Ou c'est juste pour un peu changer. C'est cool, mais en tout cas c'est cool, on va pouvoir contrôler la sœur de Hunter. Allez, on rentre en jeu, on a des objectifs assez compliqués. Donc on va voir quel poste. Déjà je suis attaquant droit, on perd 2-0 contre l'Allemagne, ça va être tendu les gars. Oh, ça joue très vite, oh, la première occasion et malheureusement, eh ben c'est pas cadré. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait celle-là, mais tu t'es complètement raté ma cocotte. Hein. Touche pour les joueuses des États-Unis. Ça joue dans l'axe, ça charge des solutions, passe contrée, mais on garde toujours le ballon. On va essayer de demander une passe. Voilà, elle nous la met, première intention. On fera première intention. Et oui, le premier but de Kim Hunter avec l'équipe des États-Unis. Il est là. Et en plus, il est magnifique. Première intention. En tout cas, la passe était magnifique. Après, on était bien placé. On était tout seul. On ajuste parfaitement le gardien. Petit filet opposé. On réduit le score. Ça fait 2-1 maintenant entre l'Allemagne et les États-Unis grâce à un but de Kim Hunter. Allez, ça joue dans la profondeur, dans le couloir, ça déborde. Je demande une passe en retrait, ok, elle m'ignore complètement. 62e poteau, c'est repris de la tête et c'est l'égalisation de l'équipe
américaine grâce à un but de... Je sais pas, moi j'y connais rien au football féminin, à part la Morgane là, avec son bandana rose, mais ouais, je connais personne. Ouais, mais en tout cas, c'est l'égalisation, et ça, c'est très très bon les amis, c'est très très bon. On va voir ça au ralenti, alors là, moi je me suis mis en retrait pour demander une passe. Le 112e poteau, elle se démarre complètement du défenseur, elle coupe ce ballon et elle a inscrit un magnifique but de la tête qui permet aux États-Unis d'égaliser. On est dans le temps additionnel, on fait l'effort de venir récupérer ce ballon dans la défense. Allez, c'est bon, c'est récupéré. On peut lancer la contre-attaque, c'est fait, on l'envoie. Allez, c'est renvoyé en profondeur. Elle est toute seule. Elle peut aller peut-être marquer. Ah non, elle s'enferme dans le couloir. On va essayer de l'aider. On demande une passe en retrait. Ah, le mauvais contrôle de Kim Hunter, malheureusement. Elle perd ce ballon. Est-ce qu'on va réussir à le récupérer? Non, c'est dégagé. Allez, c'est récupéré par une tête. Ah, la mauvaise passe. Je peux rien faire là. Et l'arbitre qui siffle la fin de ce match sur ce score de 2-2 entre les États-Unis et l'Allemagne. Et Kim Hunter qui a marqué son premier but avec la sélection américaine. C'est un très très bon début. Et en plus devant son frère qui est en tribune et Thierry Henry. Ouais. On se voit demain. Beau match. Alors, tu ne relances jamais, c'est ça. Quel retour? T'as bien joué. Ouais, on va dire t'as bien joué. T'as très bien joué. Tu t'y attendais pas? Je suis une vraie Hunter. Tiens, je voulais te donner ça. C'est mon premier. Tu sais, à ce niveau. Merci. Est-ce que t'as faim? Je meurs de faim. D'accord, allons-y. Tu vas devoir me le signer. Oh, ouais. La Hunter. C'est pas ce que j'avais en tête. Tu sens, toi, mais... que Hunter a envie de la pécho, sauf que c'est sa sœur, quand même. C'est malade. Il y a 2-2. Il reste une minute et tout se joue sur ce pénalty. Il faut savoir que je rate jamais un pénalty. Celui-là passe carrément au-dessus de la transversale et finit dans les gradins. Je te jure que le ballon a bougé pile quand j'ai tapé dedans. Ouais, ça arrive parfois. Mais il faut pas que ça t'empêche de tirer le prochain. C'est vraiment pas évident de jongler entre le foot et les études. Mais ça vaut le coup si j'arrive à décrocher une bourse pour l'université. Ça fait des années que je viens ici avec papa. Ils font de bons burgers. Tu sais, ça m'a fait assez bizarre quand tu t'es pointé l'autre jour. T'as vu la tête de papa? Kim, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Je crois que ces mensonges ont fini par le rattraper. Tu te trompes sur son compte. Il a abandonné sa famille. Tu lui as déjà demandé pourquoi? Tu le connais, non? Il est pas bavard, tu sais bien. Il faut pas toujours se fier aux apparences. On croirait l'entendre. Ça veut pas dire que j'ai tort. Sans lui, je sais pas où je serais aujourd'hui. Je lui dois tout, tu sais. Tu t'en sortirais très bien. T'es douée. Je ne parlais pas que du foot. Bon ben voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, donc faites péter le bouton des likes pour la famille Hunter et pour surtout les débuts fracassants de Kim Hunter. Donc nous normalement on est qualifiés pour les playoffs, Kim Hunter premier match, premier but avec l'équipe nationale des États-Unis. Donc ça mérite un maximum de likes pour mon travail, pour me faire plaisir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, partagez un max pour me faire connaître et merci à tous. Et à bientôt!